Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit haul action. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre le petit commentaire. N'oubliez pas également de sélectionner la petite cloche, comme ça vous êtes informé de mes prochaines vidéos. Là, comme je n'ai pas grand-chose, je vais vous dire les prix directement. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais commencer tout de suite par le premier produit que j'ai trouvé. C'est le désodorisant pour textile. Voilà, ça élimine les odeurs. C'est de la marque Fabulosa et c'est Winter Spice. Alors, on va aller tout de suite tester. Alors, je vais ouvrir le bouchon. Je vais tester sur les coussins que j'ai là. Donc, ça tombe bien. On va tester tout de suite. Voilà, ça sent bon. Ça sent le frais. Alors, j'espère que ça tâche pas. Peut-être le faire de loin parce que vous voyez, il y a quand même des taches, on verra. Voilà, on peut l'utiliser sur les textiles, les rideaux, les coussins. Voilà, ça va éliminer les mauvaises odeurs, par exemple les odeurs de tabac ou autres, les odeurs de cuisine également. Comme moi, j'ai une cuisine ouverte, donc ça peut être intéressant. Et là, le pardon, le prix de Fabulosa désodorisant, il est à 1 €. 99, je vous le remonte, donc c'est celui-ci. Il y a, je ne sais plus si c'est une autre variante ou deux autres variantes, donc moi j'ai pris au hasard, hein. Franchement, je ne savais pas du tout. J'ai pris celui-ci, franchement, il sent très très bon. Ensuite, alors déjà, je vous montre les sacs parce qu'ils ont sorti des jolis sacs pour Noël. Vous voyez, ils sont super sympas avec des petits sapins. Franchement, il était trop trop beau et en plus, j'ai pas fait exprès, c'est que j'en avais pas. Alors ensuite, un produit que j'ai l'habitude de prendre, voilà, qui était et des moments, il est en rupture de stock, c'est le All Purpose Cleaner. Donc ça, c'est celui qui multi. Je cherche mes mots. Le multi-surface, hein. Voilà, c'est rosemary et ginger. Je l'aime beaucoup, moi, j'utilise dans la cuisine. Franchement, ça nettoie super bien. Voilà, donc ça, c'est un classique. Et il est à 1,59 €. Donc celui-ci, voilà, le Good Clean, il est composé à 98% d'ingrédients naturels et le flacon est 100% recyclable. Mais bah, pourquoi pas réutiliser pour autre chose, hein, voilà, le flacon, ça peut être bien. Ensuite, j'ai pris de la pâte à fixe, comme ceci, parce que j'en avais plus. Donc ça, c'est pour mettre quand je fais mes press on nails, pour tenir les capsules. Voilà, donc j'ai repris ça, et ils étaient en blanc. Et donc ça, c'est pâte à fixe, elle est à 99 centimes la pâte à fixe. Voilà. Ensuite, un masque comme ceci. Alors, il est à la squalane. Alors, il me semble que je l'avais jamais vu avant. Il hydrate et rafraîchit la peau et c'est enrichi avec de la squalane. Alors, la squalane, d'après ce que j'ai vu, c'est un dérivé du sébum naturel de la peau. Alors, je pense que ça doit plus être pour les peaux sèches, à mon avis. Mais écoutez, bon, je l'ai vu, il me disait rien du tout celui-ci. Donc je l'ai pris. Et donc le masque à la squalane, il a 99 centimes. Vous avez bien entendu plusieurs variantes, hein. Donc celui-ci, moi je l'avais pas vu. Ensuite, ça c'est pour grignoter, ce sont des noix de cajou en format XL, je les adore. Et c'est un paquet de 300 grammes. Alors. Noix de cajou, 3,99 €. C'est un petit peu plus cher, ça, hein. Voilà, les petites noix de cajou. Alors, je n'ai pas trop vu si elles étaient salées ou pas salées. Enfin bon, si c'est salé, c'est pas grave. Ensuite, dans la même catégorie, c'est un mix que j'ai pris de la cranberry et des noisettes. C'est un mix, hein. Un peu de tout. Donc c'est un paquet de 200 grammes. Voilà, il y a des noix. Voilà.
Donc ça. Alors c'est 1,99€. Voilà tout ça. Ensuite, j'ai pris, on repart dans les masques, ce sont des patchs pour les yeux. Donc ceux-ci, je les avais déjà testés. C'est ceux qui sont couleur un petit peu arc-en-ciel. Ils sont super bien. Et alors, je ne veux pas les masques visage, moi. Hein. Voilà, 1,98€, mais j'en avais, oui, ils sont à 99 centimes, l'un. Voilà, donc ça, les patchs. Ensuite, j'ai repris mes lingettes à Lyra, donc les vertes, que j'aime beaucoup, comme ça, j'en aurai d'avance. J'aurais pu prendre les petits cotons, mais je les ai oubliés. Donc ça. Et pour finir, j'ai pris le spray fixant de la marque Biface, que j'aime beaucoup, qui est presque terminé. Donc je l'ai vu, voilà, je l'ai pris. Au rayon cosmétique, je suis toujours un peu déçue parce qu'il y a toujours, on trouve toujours les mêmes affaires. La palette, moi, la nouvelle, bah, je sais pas où elle est, elle n'y est pas. Hein. Donc peut-être qu'elle arrivera un jour. Hein. Voilà, mais bon, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé quelques petites choses quand même. Voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.